Bonjour tout le monde, YEPA, vers un YEPA World. Voilà, aujourd'hui j'en appelle encore au GAFA. Voilà, on est en train d'évoluer, s'il vous plaît, vers un monde qui est décentralisé avec des nouveaux modèles de gouvernance. Et ces nouveaux modèles de gouvernance auront moins de pouvoir, certes, puisqu'il sera mieux réparti, mais notamment on aura quand même des modèles de gouvernance avec domination. Cette domination, c'est vous qui êtes en train de la mener, et vous êtes dans un courant d'innovation où vous prenez énormément d'avance. Donc j'en appelle à votre raison, j'en appelle à votre empathie pour vous mettre à notre place et construire en fait des systèmes qui soient favorables en fait au peuple et au respect du peuple entre nous. Et on a besoin de vous, donc j'en appelle à l'aide, s'il vous plaît, mettez en place une technologie dite raisonnée. On a eu l'hypercapitalisme il y a quelques années, on a eu le monopole bancaire également il y a quelques années. On a des tas de familles qui aujourd'hui ne savent pas comment se loger, on a des tas de familles qui ne savent pas aujourd'hui comment nourrir leurs enfants. Donc s'il vous plaît, les enfants, ce sont nos générations futures, et vous, les GAFA, vous avez ce pouvoir d'améliorer potentiellement la vie justement du peuple. Donc on en appelle à votre bon sens, et moi j'en appelle à votre bon sens, s'il vous plaît, quand vous faites les choses. Ayez cette empathie, mettez-vous à la place des gens et comprenez-nous. Et s'il vous plaît, si vous avez ce pouvoir, même infime soit-il, mais aidez-nous, ayez du bon sens. Et voilà, j'espère que vous nous aiderez, et que vous penserez à chaque fois que vous mettez en place une innovation aux répercussions qu'il peut y en avoir. Mettez en place un hypercapitalisme modéré. Si vous voulez que votre modèle perdure dans le temps, qu'il soit pérenne et qu'il soit faisable dans le temps, il faut que chacun en retrouve un bénéfice réciproque. Si on retourne dans l'hypercapitalisme, on s'auto-détruira. Votre modèle, il sera court-circuité. Donc si vous voulez avoir un modèle pérenne dans le temps, si je peux me permettre de vous demander quelque chose, c'est s'il vous plaît, mettez en place un système raisonné. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, voilà, peut-être pas user first. Bien sûr que je peux comprendre que le consommateur doit être mis en avant en premier, il faut vendre, il faut faire du business, mais le business tue le business. Trop de business rend les gens avides de pouvoir. Et il y a un gros problème avec l'ego. Donc, s'il vous plaît, regardez votre côté humain, regardez votre cerveau cognitif, utilisez-le, s'il vous plaît, pour construire un système qui soit raisonné. On a besoin de vous pour, en quelque sorte, donner l'impulsion d'un nouveau virage, mais un virage raisonné, avec un angle que tout le monde puisse prendre et pour que chacun puisse adapter la vitesse à laquelle il va prendre le virage. Accompagnez-nous et accompagnez-les et construisez des systèmes, on va dire, raisonnés. Voilà, j'en appelle à votre bon sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à concevoir que des hommes, rien que par ego et par pouvoir, des hommes qui sont des unités, en plus des unités, décident de disséminer toutes les populations et mettre en place des génocides. Qui a le droit de décider d'un génocide? Qui a le droit? C'est ça la connerie humaine pour moi. Et on en appelle à votre bon sens. Voilà, j'espère que vous saurez construire un système autour du respect des hommes. Liberté, égalité, fraternité. Mais une liberté, une égalité, fraternité qui soit sincère et profonde. On vit collectivement, on vit dans une future économie de partage. Et je crois que cette économie, elle doit être au fond solidaire. Et pour la rendre solidaire, on a besoin de vous. Vous êtes potentiellement les futurs employeurs du peuple. Vous pouvez apporter, voilà, vous pouvez apporter du travail, on va payer nos charges, on va dépendre de vous. Donc imposez-vous au niveau du gouvernement pour que justement on ne se fasse pas encore surtaxer et qu'on puisse juste en fait survivre, qu'on soit créatif comme vous et que vous nous permettez grâce à vos outils de déployer notre créativité. Donc on a besoin de vous et pensez à nous, pensez s'il vous plaît à nous respecter, vraiment. Et peut-être que grâce à vous, on pourra construire un monde meilleur. Le pouvoir, il va être décentralisé, mais il y a toujours des gens qui auront plus de pouvoir comparé aux autres et c'est peut-être vous, donc voilà. J'appelle à Google, Amazon, Facebook, Alibaba. Voilà. S'il vous plaît, aidez-nous et réfléchissez dans vos actions, s'il vous plaît. Pensez humanité. Allez, à bientôt. J'espère que vous m'aurez entendu et que ça vous fera peut-être un petit peu réfléchir et que voilà. Merci pour votre aide en tout cas. Tout ce que vous pouvez faire tourner vers l'humanité, je vous dis merci.